Bonjour le Croguistan et bienvenue pour les suites des aventures sur RimWorld avec les modes Warhammer 40 000, Garde Impériale et le scénario que j'ai choisi c'est Pénurie énergétique. Alors, non c'est pas un choix, hein, c'est une conséquence. J'ai fait la Paradox Poker Table, j'ai jamais vu personne y jouer, alors peut-être qu'il faut qu'on mette des chaises. Eh ben. Mobilier, chaise. Ouais, chaise en bois, c'est bien. Ah, regarde, y a pas de. Bon, je vais en mettre 4, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Ouais, je remettrais bien un panneau solaire quand même. On commence à stocker, les amis. Oh, ça retombe. Ouais, c'est un porticole. 2900 watts. Ah, ok. Ah, ouais, d'accord. Non, mais je. Ah, bah oui, non, mais le. Ah, mais les mecs, ils disent pas tout, quoi. D'accord, bah moi je trouvais ça rigolo de faire ça, tu vois. Bon, bah, écoute, on va en couper deux. Par contre, du coup, il faut. Alors, dans zone. On va péter le toit ici. Celle-là, on va la désinstaller. Désinstaller. Sinon, il va pleuvoir dessus. Et on va avoir des problèmes. Bon. Non, mais dès qu'on aura les centrales géothermiques et tout. Dès qu'on aura les centrales géothermiques, on va. Hop, tu me le reconnectes. Dès qu'on aura les géothermiques, on recommencera, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai que ça devient compliqué. Alors, architecte, ordre. Voilà. Ok, ah ouais, non, j'avais pas capté. Parce que je me dis, ouah, ça c'est 750 watts, c'est énorme. Et une lampe particule, 2900 balles, quoi. Ouh! Excusez-moi, je. Alors. Stop. Arrête tes conneries. Arrête les conneries. Je vais voir un peu. Non, c'est pas ça. C'est un truc à attaquer. Donc, ça, c'est de l'argent, je m'en fous. Ah, faut que j'y aille. C'est combien de routes ici? Il y a toute une armure impériale en fait. 1,8 jours. Ouais, j'y vais. Alors. Non, mais j'ai pas d'animaux par contre. Ce serait une caravane. Il peut porter lui, tu crois? Le warg. Il faudrait prendre. Non. C'est Serion Iseria, je crois. Ouais, c'est ça. Serion Iseria. Et le warg. Ouais, je peux prendre 70 kg de matos. Dix repas pour 3 jours. Pour 3 jours. Ouais, c'est bien. 15. La caravane ne transporte aucune nourriture.
La chair humaine, c'est de la nourriture, mais pas le plat simple. Qu'est-ce que je fais? Pense que c'est un simple bug. Hein. Pense que c'est un simple bug. Attends, stop. Caravane. Le monsieur, il peut pas me dire qu'un plat simple n'est pas un repas, je suis désolé. Non, tu regardes pénurie de nourriture. Non, bah non, bah laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai combien de temps pour y aller là-bas? J'ai pas l'impression qu'il y a un délai, mais. Donc ouais, 0 jour aussi. Je sais pas, je. Vous le sentez arriver, vous la sentez arriver la catastrophe là. Alors, on a un mineur nudiste, travailleur né, incapable de se battre, qui est poursuivi par des mecs chauds, quoi. On va le secourir. En espérant qu'il n'y ait pas une armée entière qui lui court après. Ok, et ils arrivent par où les mecs, par ici? Alors ma foi, faut espérer qu'ils passent par la caverne, mais j'y crois pas trop. Ils passent par en haut. Ils attaquent tout de suite, hein. Ah la vache. Ils sont 3000. Ils sont pas vraiment 3000, mais t'as l'impression qu'ils sont 3000 un peu quand même. Ah ouais, mais c'est. Ah, c'est bâtard. Non, mais c'est un peu bâtard quand même. Hey, doucement, 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 doucement. Non, mais alors moi je suis. Non, je suis désolé, mais le truc, c'est pas de me faire taper sur la gueule, c'est de me. Je suis en train de me faire taper sur la gueule pour un mec qui est déjà mort. Et ça, c'est pas possible. On me demande si je veux secourir quelqu'un, je le secours, le gars il se laisse mourir. Et s'il faut que je commence à secourir les gens d'eux-mêmes, là on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Ah.
Je peux pas annuler la formation de caravane, malheureusement. Par contre, toi, je comprends pas cette histoire de... On met des plats simples, ça compte pas comme nourriture, c'est bizarre. J'ai pas fait attention si des gens jouaient depuis qu'il y avait les tables de poker. Qu'est-ce qu'il se fait lui? Il mine, c'est bien ça. Ça c'est bien. Bon ouais alors du coup. Ouais bah oui. Eh non mais. Puis j'étais reparti sans. Alors attendez, on va nettoyer les cavernes. Là je pense qu'avec mes. Je pense qu'avec mes armes ça va passer. Non, sérieux. On reste pas devant. Non, surtout, dès que t'en as marre de fail, tu le dis, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça à s'occuper aussi. A trop de trucs à faire. Non, bah finalement, est-ce qu'on a besoin de nettoyer cette caverne? Hein, j'ai envie de te dire. Y a rien qui nous y force. Ah, regarde, il joue au poker. Isaria et Enkar se sont battus, c'est bien ça, mais continuez à faire des conneries. Continuez à faire des conneries, on n'est pas assez dans la merde comme ça. Alors. Ok, donc là on est en train de rechercher l'énergie géothermique. Je sais plus du tout combien ça produit une centrale géothermique, mais normalement. Normalement, c'est excellent. Un bouc est un fou. Bien sûr. Bah, bien sûr. Tu m'as fait quoi? C'est une grosse blague, une grosse blague. Pistolet laser contre biche quoi. Je vérifie qu'il passe pas au milieu de la caverne, c'est bon. Par contre, j'ai interdit le corps hein, pour pas qu'il y en ait un qui vienne aller chercher le corps au milieu de la zone de mort là. Non.
Quelqu'un, il va pas se soigner alors. Fracture. Attends, t'as une fracture, gros. Fracture du bassin, mais non, tu vois, il continue à bosser. Ça c'est un bonhomme. Ça. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas fait. Ah bah si. Je vais dire, on n'a pas fait de chaise, mais si. On n'a pas fait partout. Il manque une là, il manque une là. Là. Fabricateur, peut-être, ouais. Ça coûte pas ça que ça. Ça mange pas de pain de leur faire ça. Ah bah ça y est, il a été se mettre sur son lit médical quand même. La fracture a guéri avant la contusion. Ah bah c'est pas mal ça. Ouais. Pas te soigner, mon grand. Ah, c'est fait. Ah, je te jure. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous? Ah oui, vous faites du... Oui. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Établi d'assemblage. Ah, c'est pour faire des composants. Même pas. Autogun. Pistolet. Nanana. Ah oui, on pourrait peut-être se faire des armures. Ah ouais, non, attends. J'avais dit qu'on allait commencer à faire les sacs de sable et tout là. Les tourelles. Comment est-ce que je vais défendre ce bordel, moi? Est-ce que je vais avoir besoin de plus agrandir la base? Je sais pas. Je pense que oui, hein, mais... Déjà, ce qu'on peut faire sûr, c'est amener du jus plus loin. Je vais mettre une tourelle dans ce coin-là. Et on va mettre une là. Une là. Enfin, deux tourelles ici, s'il n'y a personne qui passe jamais, ça sert à rien. Alors, security. Security. D'accord. Donc, le truc bien, c'est que j'ai pas. J'ai pas encore accès aux tourelles en fait. Donc on me demandait dans les commentaires pourquoi tu ne fais pas de tourelles? Ben j'ai un début de réponse. J'ai un début de réponse. On n'a plus rien à manger.
Des fois, j'ai envie de m'ouvrir les veines à la petite cuillère. Ah, j'envoyais des chasseurs chasser des genre des vaches paisibles, enfin, des grosses vaches, hein, d'accord, à l'autogun, et non. Ah, putain. Enfin, je veux dire, ça perd l'hypopète, bien sûr. Hein, il est hors de question de dire des insanités pas possibles. Alors, qu'est-ce qu'il a, Lucifer? Qu'est-ce que... Fracture de bouquetin. Ah oui, c'est vrai, il s'est bastonné contre un bouquetin. Là. Et on peut pas dire qu'il a réellement gagné. Hein. Alors, énergie. Câble électrique. On va se rapprocher d'ici, ici, là, là. Oh là là là, qui chasse là? Ça va, t'as réussi à tuer quelqu'un sans... Ouais, c'est bon. Ah, c'est pas tous les jours facile, ma bonne dame, hein. Ah bah j'ose plus attaquer les buffalo, moi. Ah, c'est mort, c'est foutu. Sia, une éclipse. Ah bah oui. Combien j'ai de repas? J'ai 8 repas. Okay. C'est vrai que l'air de rien, on a quand même 7 colons. C'est que ça bouffe, hein. C'est que ça bouffe. Tu produis quoi, toi? Des manteaux, d'accord. Faudrait qu'on fasse des t-shirts après. Bon, eh ben disons, cet épisode aura pas été des plus profitables, on va dire. Pour parler gentiment. Bon, au final, on va se retrouver quand même avec normalement la centrale géothermique. Ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on lui fait comme recherche derrière? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Des cogitators? Ça va aller. Ration de survie. Ah tiens, multi-analyseur. Oh merde! Attends, t'as fini? C'est sûr, hein? Ouais. Architecte, énergie. Ah, fais rien. Impérial Geothermal Plants. Il faut 400. Oh là, ouais. Trop de morde, faut trop de barres. J'aurais bien voulu le faire comme ça, tu vois. Le truc, c'est qu'il me faut 400. Alors, attends. Oh, ah ouais, non. Il faut 400 céramides, j'en ai 25, quoi. Donc, on va le faire normal et ce sera très bien. Ok.
donc là on recherche quoi? Multi-analyseur, ok, pour rechercher un petit peu plus vite. Ok, bon écoutez, sur ce les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, rejoignez-nous sur le Discord du Krugistan, des bisous, à demain, ciao, ciao, ciao.